Ok, bah on y va. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est vite. C'est mon tour, mon général. Du coup, on va organiser deux escouades pour prendre le contrôle du MP01. On va établir un avant-poste dessus. On va rester le plus longtemps possible pour récolter le maximum de sources d'opérium. Une des escouades sera dirigée par l'aspirant Delta et une par l'aspirante Renard. Donc, l'aspirante Renard, placez-vous ici. Toutes les personnes que j'appelle, vous placez derrière le sergent Capitaine Brock. Soldat Ethan, conscrit, confirmé, et tu bien. Le reste, l'aspirant Delta, vous placez ici et tout le reste derrière. Très bien, je suis le DVC Skymaster d'Agama. Les DVC se placeront, accompagneront et escorteront une des deux escouades. Permis. Aspirant Delta, vous allez faire un tour, vous allez passer par le MP02, vous allez faire un tour au niveau du quartier résidentiel et vous repassez au MP01 pour le reste. Pour l'escouade de l'aspirant Renard, vous allez directement au MP01, vous êtes baptisé en avant-poste. Je sais, compris pour tout le monde, si vous avez des questions. Compris, général. Bien, vous pouvez aller. Équipez-vous avant de partir, la mission sera longue. Exécution. Ok, on part en mission. Bien, l'escouade des DUC accompagnera l'escouade de l'aspirant Delta, terminé. On va enfin utiliser nos gros fusils. Soldat confirmé, Ethan sera de la 96.3. Groupez-vous par escouade une fois que vous êtes équipé. Sergent Clark, on sur la radio 96.3. Bien, équipez-vous, prenez l'énergie pour votre pandémique et prenez des grenades de glace. DUC Soldier Dunhill, fermez la porte d'en bas, on sortira par la sortie spéciale de décollage. Préparez, ah oui, on a une petite sortie. C'est la sortie des soldats d'élite, ça. Ah ouais, c'est badass. Bien, ouais. Les DUC sont prêts, nous allons rejoindre les squads de l'aspirant Delta, nous les surveillerons de façon aérienne, terminé. Quand vous me le dites, j'appuie sur le champignon. Allez-y, on part. Go. Go, go, go. Carrément, les gars, là. C'est bon, ils partent. Bien, on va se placer entre... Alors, on fait... Enfin, je crois qu'il y a des deux sacs. C'est pratique, il y a votre endroit, là. Go, go, go. L'MP01 a bien foré, il y a beaucoup d'énopérium ici. Reçu, DVC. Le MP01 fonctionne parfaitement, on peut... Trois sources d'énopérium à MP01. J'aimerais qu'il y ait également un DVC sur votre... Je suis l'aspirant Delta. C'est le MP02 ça, je crois. Ouais. C'est bon. Énopérium. On est logiquement en MP01. Ok, les DUC partent sur le MP01 pour aller voir au niveau du contact. Terminé. Vous voyez le bâtiment juste au nord ici? Affirmatif. Une fumée vient de se poser dessus. Très bien, nous allons... Vous, amuser. Vous le voyez qui sort bien, là voir. Ok, ils sont là les petits cocos. Ils sont partis par là-bas. Ennemi, ennemi.
Ok, c'est bon, on est dans le camp des GFC là, ça part en couille. Oh! Oh non! Putain. Oh putain! Oh putain! Comme des connards! Ils sont où mes collègues? Oh putain! Je suis un météorite! Je survole carrément le camp du GFC! Oh putain! Oh merde! Il y a un faux mur! Wesh, il est sur moi. Ok, ok, j'ai rangé mon arme. Wesh, comment il m'a chopé? Il s'est posé sur moi, il m'a bloqué. Mes collègues vont venir me chercher, ils vont te buter. Oui, bien sûr, bien sûr. Restez tranquille, je vous prie. Arrêtez de vous salir, c'est ça. Il va me sauver. Il va me sauver. Toi. Il va me mettre dans les chiottes. Ah non. Je suis détenu par la GFC, aidez-moi. Ah oui, et je suis désolé, j'ai oublié de lui enlever tout ce qu'il avait, regardez. Et oui, il a oublié de retirer ma radio. Fouillez-le, complètement oublié. Oui voilà, je vous donne tout. Les enfoirés m'ont bandé les yeux, je vois rien. Tu veux ah, mes yeux parler. Oui, je sais parler, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, toi. Les six sont moches. Oui. Vous faites quoi depuis tout à l'heure à tourner aux alentours de notre base là? On extrait de l'énopérium. Nous, on sait l'utiliser. Nous aussi, ne t'inquiète pas. Ouais, mais attends, on va pas le relâcher. Vous m'amenez où là? Aux toilettes. Taisez-vous et suivez-nous, vous verrez bien. Un endroit qui sera très cordial pour vous. Oui. Ah, je vois où ce que vous voulez. Mais ils viennent pas me sauver? Eh, les squads ils se sont barrés, ils m'ont laissé en plan. What, c'est quoi ça? What the fuck? Qui est cet avorton? Alors c'est lui votre gourou? Le chef des fous? Taisez-vous. Non, tu n'as pas été invité à parler. Quel est ton nom? What? Cooper Stanley. Mais que serait-il prêt à nous céder en échange de votre libération? On vous tuera rapidement, on vous fera pas souffrir. C'est comme ça que vous négociez? Oui. Tu es en commandant là-bas. Du moins son corps. Donc tu n'as vraiment pas de valeur à leurs yeux. Je peux tout aussi bien te tuer maintenant et en finir avec tout ça. Et ensuite j'imagine qu'ils vont battre en retraite. Pas vrai? Voyons. Que vaut la vie d'un homme, si ce n'est peut-être que les derniers plans de vos dernières armes? Pas vrai? D'accord, je peux vous fournir les plans, vous les voulez? Mais je dois aller les chercher. Je rentre à la base, je vais les chercher et je reviens ici, d'accord? Non. Sorcier Imperium, vous allez avertir les hommes massés dehors, que nous leur rendrons leur Stanley s'ils nous donnent en échange les plans de l'arme qu'ils ont utilisée contre nous. L'arme à projection acide. Oui, je vois. Mais cette arme, on l'a déjà étudiée, mon Deus. Et par contre, j'ai une petite information qui pourrait vous plaire. C'était un prototype, maintenant l'arme est complète. Allez leur demander les plans, maintenant. J'y vais. On verra si vos camarades tiennent tant que ça à vous. Vous pensez réellement... Vous avez de la chance que je suis attaché. Oh, mais... Je vous en prie. Enlevez-lui son jetpack, je n'ai vraiment pas envie qu'il s'enfuit.
Ah les enfoirés, il va retirer mon jetpack. Ok. Je vais le récupérer. Je vais aller le récupérer. Mais avec votre... Oh, oh j'ai vu que ça là-bas. J'ai vu un collègue là-bas, je crois. Pas très discret, vos hommes. Hein, c'était rien, c'est une hallucination. Ben, c'était rien, mais bien sûr. Amenez celui-là en haut ici, là. Débrouillez-vous, mettez une échelle et faites-le monter ici. Tirez beaucoup des plans, ça pourrait bien nous servir dans le futur. Ah c'est parfait, attendez, mettez-le là comme ça, attachez-le. Ah oui, il va me pendre de... en haut de la muraille comme ça. Je lui dis quoi ? Et maintenant, allez dire aux négociateurs que nous voulons ces plans. Sinon, ils le verront mourir sous leurs yeux. Mais venez m'aider, bordel ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est en train de négocier ou quoi ? J'ai l'impression qu'ils tiennent beaucoup à vous. Moi j'ai l'impression d'être sur un bateau. Je vais faire un plaisir à te découper en morceaux. Attendez, on est en pleine négociation. Vous allez avoir vos plans. Vous allez avoir vos plans. Les négociations prennent trop de temps. Faites attention. Lâche-moi le DUC, viens. Ah ! Tu vois, je vous l'avais dit. Vous allez me libérer. Ouais, mais t'inquiète pas. Je vais récupérer mon fusil, je vais revenir vous buter. Oui, je vais revenir vous buter. Ah oui. Peut-être que c'est nous qui reviendrons et qui te buterons. Stop. N'oubliez pas, nous relevons ta tête. Relâchez-le. Non, donnez d'abord. Et le plan. Vous demandez beaucoup. Non, allez. J'allais faire une erreur. Je l'ai pas fait. Et toi, l'erreur. Vous pouvez le relâcher. Qu'est-ce que c'est non, que c'est ça? Il va me mettre un coup de couteau. C'est votre clé avec les plans. Relâchez le DUC. Et comment est-ce que je suis ça? What? Vous me tirez dessus? Je ne vois plus rien! Ocus, faites-le saigner. J'ai peut-être les yeux bandés, mais je vous entends. Oui, faites-le saigner. Détache-le. Ah, il me détache? Ah, bordel, je suis où, là? What, c'est quoi, ça? Fermez-la. Ah! Et que par la puissance des ancêtres, et par la magie qui nous encercle, de la puissance de cette orbe rouge qu'elle imprègne ton corps, tuez-le et faites réanimer son corps en invocation. Ah non! Ils m'ont transformé en invocation. Admirez le pouvoir. Le duc Cooper Stanley n'est plus. Ah! Créature rejoint la plaque. Alors, et que la puissance des Farkanes s'imprègne dans ton corps, et que la puissance de nos ancêtres, et de notre Deus même, rentre en toi, et tout le monde. Ah, je grossis! Ah, je suis énorme! What? Détruis-les tous! Putain, faut que j'attaque les 6 en plus ceux qui viennent me sauver. Vous me faire buter. Je vais crever avant d'arriver. Boum. J'ai rétréci direct.